Dans Maurice, bien haut, nous causons un débat d'idées. Tout le temps, nous causons soit un leader, nous votons pour un leader, nous votons pour un parti. Même si dans l'absolu, un extrême gauche peut faire coalition avec un parti de droite, pas fin d'année, je ne pas connaître qui veut dire ça. Est-ce que vous pensez qu'il est temps à Maurice, nous commence cause un débat d'idées? Certainement. Moi, pourquoi? Sans débat d'idées, le pays ne va pas avancer. Tout le monde grand réforme qui nous fait faire. Qui dans l'éducation, qui dans l'économie, qui dans l'agriculture, qui dans l'énergie, qui dans tout l'environnement, tout réforme nous faire, il commençait par une débat d'idées. Et ça, moi, pourquoi, il y a depuis quelques temps, nous disons, ramener au devant de la scène. Il n'y a pas autant. Parce que, vous connaissez, moi, quelqu'un qui tout le temps finit de débattre, dans le terme débat, hein, que ce soit à l'énergie, que ce soit dans CV, tout le temps, moi, finit content, il ne faut pas me perdre pour débattre. Qui du monde en met devant moi, moi, quoi, dans mon idée, et moi, quoi, moi, parfaitement d'accord avec vous, moi, quoi, qui nous disons, ramène au devant de l'actualité, ramène au devant de la scène. Un débat d'idées, un grand issue qui concerne les 25 prochaines années qui attendent nous. Comment nous pouvons transformer nos pays? Quel type de développement l'île Maurice besoin? Quelle qualité formation nous besoin de nos jeunes? Quelle qualité l'éducation nous besoin de nos jeunes dans les 25 ans à venir? Nous besoin réfléchir. Quelle qualité l'atmosphère, quel environnement nous pouvons décider de vivre? Parce que nous seule génération qui est capable d'influencer lors des 25 ans à venir. Débat d'idées également lors de la campagne électorale, c'est-à-dire nous allons vers chaque parti avec une idée de développement économique, social, etc. etc. Au lieu qui dit ça n'a là où connaît une coquin, ça n'a là où connaît ici, là-bas, ne pas tomber au ras des pâquerettes. Ça aussi, parce qu'il n'a pas existé, ça, aussi. Non, malheureusement, il n'a pas existé. Un grand débat, comment nous trouver en France, comment nous trouver en Amérique. Moi, je suis parfaitement d'accord avec vous. Et moi, je crois que. Moi, je crois que. Vous connaissez, le bien de quelque chose, moi, j'ai l'opinion arrêtée, moi. Vous comprenez? Donc, moi, je suis appelé à être convaincu. Il y a un débat d'idées, à dire, moi, que ça qui m'a fait préconiser là, mais il m'a été amendé, ça qui m'a fait dire faire là, il est capable d'être retouché. Tout ça là, c'est fait la grandeur d'une personne, me penser. Hein? Parce que. Seuls les imbéciles ne sont jamais. Ok? Donc, moi, je crois que nous avons besoin d'un forum, une manière, une forme pour qui nous sommes capables de débattre avec ceux qui nous opposent, avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, qui sont capables de permettre de contredire ce qu'ils nous peuvent dire. Et aussi, ça permet de nous renforcer nous, dans nos convictions. Vous voyez, quand on débat sur un issue important avec quelqu'un qui contredit à moi, ça me permet de mettre mon idée en force sur la table, ça me permet de moi être encore plus convaincu dans ce qu'ils me disent, ou ça permet de moi réaliser que je ne capable pas faire une dans ce qu'ils me disent, je ne capable pas faire une dans ce mot plan, je ne capable pas faire une dans mon analyse, dans mon assessment de la situation, dans mon façon de voir les choses. Et tout ça là, il pour le bien-être de la société, au bien-être de tout le monde, parce que je suis capable corriger, moi, mon corps, il peine la honte. Si un dimon avance une idée, il n'est pas corriger, moi, mon corps, il y a le bien-être de la société mondiale. Patrick, quand nous causons débat d'idées, moi, vous terminez là, nous causons une plateforme et bien souvent, nous causons médias. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les médias avec l'avènement des radios privées, est-ce qu'ils vont amener notre rôle comme un bisin? J'ai envie qu'ils répondent en toute sincérité. Est-ce qu'il y a vraiment un débat ou bien simplement il y a du sensationnalisme? Et nazis la course vers l'audimat et bref c'est que du sensationnalisme. Moi, réseau nous là hein. Et nous bien regarder bien qui pas une vocation ban radio privée d'abord hein. Parce que vous connaissez quand il y a une nouvelle qui nous peut attendre assez fort qui peut sortir, on trouve beaucoup de spéculation, beaucoup de qui s'en a pour sortir il y a un breaking news avant. Qui s'en est sorti en exclusivité. Alors, bien souvent, je dénature news qui vient sortir là. Simplement parce qu'il y a une compétition qui s'en a pour sortir avant. Moi, je crois, vous connaissez, avec il y a à peu près 20-25 000, même 30 000 jeunes qui pourront être électeurs en 2015. Et ça va être un jeune là. Vous êtes connecté à l'internet, vous êtes à l'onet, vous êtes à Google, vous êtes ben du monde qui vraiment si vous êtes bien, vous êtes comment dire ben du monde qui au devant de la scène. Et moi, mon corps nous besoin sens un petit peu de façon de communiquer.
Et moi, comme un politicien, je disais un petit peu, pour capable, et ça ouvert l'esprit là, je disais, adapter les aux besoins de sa nouvelle génération qui peut venir là. Et pour adapter où, je disais, mais tout le même lien qu'avec la jeunesse. Parce que la jeunesse, comment pour lire, vous êtes tout là même là, vous pouvez faire une interview avec moi. M'apprécier, dans le sens qui, vous pouvez tous, une sensibilité, une couche du monde qui, en principe, le journal, la radio, bon, pas tous autres. Et moi, m'apprécier, moi, mon corps, dans 5 ans, 7 ans, 10 ans, il peut être très vite, que le journal, le magazine, il peut dépasser. Vous me dites, oh, la plupart des trois journaux, tous les jours, moi, lire le net. Donc, moi, mon corps qui, nous pouvons reggaet, bien sûr. Et vocation, façon qui diffuse l'information et responsabilité aussi. Voilà. 300 000 Mauriciens là, au Facebook officiellement, aujourd'hui, dans quelques années, ils peuvent doubler. Pour un petit pays comme Maurice, 30-40% de la population, l'eau internet, c'est énorme quand même. C'est énorme. 300 000 au Facebook. Hein? 300 000 aujourd'hui. Là. 300 000 au Facebook pour réaliser pour une population de 1,2 million. 300 000, c'est beaucoup. Ça veut dire, imaginez-nous. Nous tiers enfants, nous tiers, ben, nous proposons la, la population. Oui, ça veut dire, ça nous donne l'idée qu'ils ont envie tous du monde sur Facebook, sur le net, il y a le plus vite qu'il y a radio. Bon, pas quoi, en un coup, une radio qui n'a pas tous 300 000 du monde en un seul coup. Bon, pas quoi, 300 000 du monde, écoute radio. On peut comprendre, moi, là. Et d'ailleurs, l'affaire DSK, Patrick Assiavaden, a été révélée grâce à Twitter. Sur Twitter. Pourtant, on a un grand média. Moi, je crois que l'avenir, c'est ça. On ne pense pas à où. Patrick, en tout cas, merci beaucoup. Merci, le plaisir. Et qui nous casse fait tout? Ben, qui me reste fidèle à mes convictions. C'est tout? C'est tout. Merci. Merci.